Donc, on a écouté un documentaire sur les belugas, ça nous a vraiment touché. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire l'œuvre sur le thème des belugas. Yo vengo de la Amazonía peruana y también siento mucho esta conexión con los animales, con la naturaleza, ¿no? Entonces, me ha tocado mucho de poder crear, ¿no? De poder pintar estos animales tan hermosos, tan típicos de este lugar de Tadoussac, ¿no? Poder representarlos a través de mi arte, ¿no? Y poder representar también la fuerza de la naturaleza que pueda inspirar a otras personas a ayudarlas, ¿no? Ayudarlas y a conservarlas vivas. Je trouve ça très important. On est tous très occupés, hein, dans nos vies en ce moment. Nous, on a une nouvelle famille, on est pris par le travail et tout, mais si seulement les gens pourraient s'arrêter pour écouter les documentaires, écouter l'information qui circule au sujet de l'état de la nature, l'état dans lequel l'humain est en train de transformer la nature, si on peut écouter puis se laisser toucher, puis se laisser guider dans nos actions par ce qui circule, l'information qui circule sur à quel point la nature est en mauvais état, je pense qu'au moins ça va pouvoir toucher notre cœur. Puis si les humains ont du cœur, ben il y a de l'espoir. Donc voilà. Merci beaucoup.